Yes, troisième victoire d'affilée à la Mousson, j'imagine que c'est satisfaisant. Très satisfaisant, c'est vrai que c'était l'un des objectifs. On avait du mal à performer chez nous, on était toujours en difficulté, là on a su corriger, ça fait trois matchs qu'on enchaîne, donc ouais, c'est très très bien pour le groupe. Après la victoire plus que convaincante contre Nîmes, c'est aussi une victoire vraiment convaincante aujourd'hui. Oui, parce que je pense qu'on a su gérer, même si voilà, ils ont eu beaucoup plus je pense, la possession que nous, mais on a été assez solide. Après, voilà, il y a des choses à revoir aussi, mais dans l'ensemble, l'état d'esprit, je pense que c'était un bon match de ma part. Finalement, cette troisième place, vous la reprenez provisoirement là, elle vous va bien ? Pour l'instant, on y est, on fait les résultats, donc on est très content d'être à cette place. Après, voilà, on sait que c'est encore le début de saison, les gros vont certainement se mettre en route. Mais voilà, tant qu'on fait nos résultats, on sait qu'on mérite notre place actuellement. Effectivement, toujours reprenable, hein, par la deuxième défense. C'est ça, je pense que c'est une de notre force encore cette saison. On espère que ça va durer le plus longtemps possible. Tant qu'on est solide, on a plus de chances de gagner nos matchs. Donc voilà, que toute l'équipe réponde. Que voilà, ça part des attaquants aussi dans leur travail et leur repli. Et voilà, on pourra espérer de bonnes choses si on est solide sur ce point. Une victoire face à cette équipe européenne, ça donne des idées, ça donne faim ? Des idées, honnêtement, c'est encore vraiment très tôt. Hein. On va pas se cacher non plus. Hein. Voilà, comme j'ai dit, on est content d'être à cette place, mais on sait que c'est encore utopique et qu'il reste un très long chemin à faire. Vous regardez le classement quand même ? Non, honnêtement, non. On sait qu'on est à cette place, on est content d'y être, mais j'ai dit, le chemin est encore très très long, on va pas se prétendre à plus pour l'instant, on reste concentré, on fait les matchs les uns après les autres, on essaie d'être le plus performant possible, pour l'instant ça se passe bien. C'est pas anodin quand même à ce moment de la saison ? Oui, c'est pas anodin parce que voilà, on est à combien, 10 journées à peu près, c'est ça ? 10 journées, après on sait qu'on a affronté... On n'a pas affronté Paris, on n'a pas affronté Lyon, on n'a pas affronté Marseille, ni Monaco, ce qui était prétendu à cette place. Maintenant, voilà, chaque match, c'est vrai qu'ils sont tous difficiles, mais voilà, je dis, il reste encore un très très long chemin pour prétendre à une qualification européenne ou quoi que ce soit. On sent que vous dégagez quelque chose depuis quelques matchs. Je pense que oui, c'est vrai que le match aussi contre Nîmes a montré de très grandes valeurs et voilà. On est là-dessus sur les derniers matchs. Maintenant, voilà, on a cette solidité, c'est difficile à avoir et pour l'instant on l'a, donc voilà, on en profite et ce sera toujours plus facile de gagner nos matchs, comme j'ai dit, en étant solide quand on ne l'étant pas. Aussi.